J'espère que ça va bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la journée. On vient d'attendre d'entendre monsieur le Premier ministre. La soirée de la journée. Oui, de la soirée, monsieur. On fait bien une vidéo par jour. Alors, rien ne reste changé. Petit commerce toujours fermé. Donc, s'il y a certains magasins, rayons, certains rayons toujours fermés. Désolé aux commerçants, mais franchement, je vous soutiens. Ça me désespère. Il y en a qui arrivent à rebondir, d'autres non. Et ceux qui n'arrivent pas à rebondir. Franchement, la France est en train de partir en couille. Enfin bon, aujourd'hui on n'est pas là pour faire une vidéo défaitiste. Voilà. On est là pour faire une vidéo drôle. Drôle. Faut rire avec ce qu'on a. Hein. Je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui. Nous il a fait gris et froid toute la journée. Du coup on a rallumé la cheminée. Là je crois que tu allais dire la chemagneuse. Non, la cheminée. La chemagneuse. La cheminée, on a rallumé notre cheminée. Ouais, il fait bon, du coup. Bah oui, on est derrière l'insert, là, ça chauffe, du coup. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que le temps est en train de changer. Ouais, j'espère. Encore, ça se rafraîchit, en tout cas. Ouais. On est en train de perdre la douceur. Ça s'est rafraîchi. Mais parce que j'ai une belle femme, ça se réchauffe. Oh. Enfin, moi, je suis quand même contente. On commence à avoir une petite lumière. En fait, par rapport au fait qu'ils veulent supprimer l'IEF, là, ils commencent les négociations. Voilà, il y a des négociations en cours. Et il paraîtrait, alors qu'en fait, par rapport aux écoles clandestines, tout ça, patin couffin, des enfants qui ne sont pas inscrits dans les mesures de l'IEF, dans les écoles clandestines, en fait, serait obligatoire l'inscription dans une école, de son secteur, mais on pourrait continuer l'école à la maison. Ce qui ferait que, en fait, ce serait juste un suivi pour vérifier que tous les enfants, aucun passe à la trappe. Alors, maintenant, à voir si c'est vraiment ça, on en saura plus, bien sûr, en décembre, puisque le texte passe le 9 décembre. Au pire, on se cassera de la France. Voilà, au pire, on quittera la France. C'était un petit projet. On verra. Pour l'instant, on n'en parle pas puisque rien n'est fait. On verra bien ce qui se passe. Il a une bouche qui tourne autour. Ça m'énerve. Ça va, on en a moins des bouches. Ça me gonfle, j'en ai marre des bouches. Il y a toujours une pour casser les pieds. N'est-ce pas? Donc, ce serait bien, voilà. Si on pouvait continuer comme ça, ce serait magnifique. C'est toi qui me fais bzzz la nuit. Mais j'étais contente hier parce que la caissière du magasin, Océane, lui parlait. Et alors, et elle nous a dit, elle nous a demandé de l'acheter Océane. On a dit qu'elle avait 5 ans. Elle dit, elle parle vraiment bien pour un enfant de 5 ans. Oui, puis elle me draguait aussi. Oui, que j'étais pas là. Oui, parce qu'on avait oublié le portefeuille dans la voiture. Donc, madame, tu avais oublié ton portefeuille dans la voiture. Merci de me le rappeler, surtout. Donc, madame va chercher le portefeuille dans la voiture pendant que moi, je suis avec Océane. Et le... Mais ça m'énerve les mouches. Et Julia. Et Julia, du coup. Et elle est en train de me draguer et puis de parler avec Océane. Oh mon Dieu, votre fille, elle parle bien. Elle a quel âge? 5 ans, mon Dieu. Mais elle dit devant moi, ça. Oui, mais après. C'est quoi le bruit? Mais c'est Clio. Oh. Clio qui gratte à la fenêtre. C'est trop beau. On a un chat qui ne chasse pas. Qui fait que manger, dormir, faire chier non. Et surtout pisser dans mes affaires. Alors ça, j'adore ça. Ah, sale chat, sale pire. Sale chat. Voilà, le trouble fait. Voilà, le petit rien. Il a rien fait. Il m'a sorti les griffes, ce con. Non, non. Si. Ils sont pas les griffes. Mais elles sont sur moi, ces pattes. Mais toi, tu viens de m'écraser la jambe. C'est pas possible, je suis un homme battu, là. Là, là faut faire quelque chose, là. Non, mais ça va, il va rien faire, oh là là. Il me gonfle, ce chat. Oh, c'est ça, tu l'aimes. Chat noir. C'est mon bébé. Ah oui, moi je suis quoi? Ça, t'es mon mari. Moi je suis plus rien. À côté de lui, je suis plus rien. Mais toi, t'es mon nounours. Alors ça... Il aime pas que j'appelle nounours. Non, j'aime pas parce que ça fait vraiment penser que je suis gros. Mais non, t'es confortable comme un nounours. Vas-y, rajoute. Et alors? Ah ben vas-y, rajoute. C'est pas méchant?
Je crois que je vais préférer le canapé ce soir. Libre à toi, hein. Tu as plus de place dans le lit. Non. Eh ben, c'est noté, je dormirai sur le canapé cette nuit, tranquille. Avec Clio et toute une vraie compagnie. Bon, moi, je pourrais regarder la télé, tranquille. Ouais. Avec Clio et toute une vraie compagnie. Clio, il va foutre le camp dehors. Cet abruti de chat, il adore pisser dans les granules pour le bois. Ça l'inspire. Ça l'inspire. Ah, allez, d'accord. Ouais, mais c'est comme du sable pour lui. Bien sûr, moi quand j'arrive, je prends la main et puis je me reçois des merdes ou des pisses dans la main, c'est bien. Une fois, il a fait. Deux. C'est agréable. Depuis, il dort dehors. C'est pas bien mon chat. Une fois, quand il est arrivé à la maison, donc on s'est installé ensemble avec Alicia. Moi, j'avais Cléo depuis un moment déjà. Il m'avait pissé dans les chaussures. Oui, mais attends, faut expliquer. Moi, j'ai eu Cléo. Expliquer quoi? Cléo est rentré dans ma vie en 2008. J'ai rencontré Gaël en 2011. Et Cléo a vécu avec moi et mon copain de l'époque. On a récupéré Cléo, je l'ai récupéré pour le coup. Il avait 3 semaines. Parce que sa maman, ça n'occupait plus. Et la maman du chat. Du chat. Il était en train de mourir quand je l'ai récupéré. Donc j'ai récupéré ce minou il y a maintenant 12 ans. C'était le chat noir de la bande. Non, ils étaient quasiment tous morts. Et non. En fait, Clio a toujours été très exclusif avec moi, ce qui fait que quand j'ai rencontré Gaël, il lui a fait pas mal de misère. Ben, je partais travailler chez les marins-pompiers, donc j'étais obligé d'avoir une tenue impeccable, et je me suis retrouvé avec de la merde dans les bottes, et ma tenue qui présentait des griffures de chat. Ça te fait rire en plus. Des petits accros. Mais ça te fait rire. Maintenant, oui. Oui, ben oui, ça te fait rire, oui. Maintenant, oui, ça me fait rire. Je sais pas si j'ai encore des photos en tenue. Oui, j'en ai, moi. Ouais. Oui, on pourrait les retrouver. Elles sont sur mon Facebook. Eh bien, alors, écoutez, vous savez quoi? Là, je vous mets la photo. Ah non, mais quel c'est... Non, mais il lui a fait... Attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, voilà. Le dos. Ouh là là. Le dos. Ce chat, un jour, il était sous une couette. Et j'ai marché sur la couette. Malheureusement, j'ai marché sur le chat. C'était évident. Et le chat s'est vengé. Quelques jours après, je ne sais pas si c'était une vengeance ou si c'était vraiment préparé de sa part. J'étais sur le canapé, donc on était en train de manger. Ouais. C'était le soir. Non, t'es en train de prendre l'apéro. Ouais, c'était le soir. Ouais. C'était le soir, tranquille. Et puis donc, j'étais torse nu sur le canapé, voilà. Et d'un coup, je me vois le chat. Non, tu l'as pas vu arriver sur le. Non, mais je le voyais courir. Et il a sauté et... Il a planté les deux pattes avant, avec les griffes sorties, dans le dos. Et il a fait... Voilà. C'était radical. Et ce jour-là, je crois que j'ai failli faire passer le chat par la fenêtre. Tu ne l'as pas fait. Bravo pour ta femme. Mais le chat, tu l'as traité de truineau, par contre. Ah, il a insulté, ce chat. Tu l'as couru après dans tout l'appartement. J'ai couru après avec le couteau, j'étais comme ça, je lui ai dit, tu n'avais pas le couteau, c'était non. C'était le couteau, justement, des pompiers. Non. Si, tu te rappelles pas le noir. Je me rappelle du couteau, mais tu courais pas avec. Si, je courais dessus. Toi, pour le chat. Bien sûr, non. Je courais. Si. Non. Eh ben, si. Non, c'est pas avec ça que je lui courais après. Je pense si, que si, non, non, c'était le couteau. Ah non, mais il lui en a fait. Alors, il prenait sa place dans le lit. Quand il voulait se coucher après, alors il soufflait. C'est pas ça, c'est qu'il se mettait sous la couverture. Des fois. Et des fois, il se couchait, il y avait le chat. Moi, comme j'aime bien regarder la télé en bas, ben, quand je monte, il fait souvent noir pour pas réveiller Titia. Et... Pas ici. Non, mais là-bas, c'était à Terre de Garance. Et oui, et même à... Il était sur la terrasse, à Terre de Garance. Oui, non, mais il était pas tout le temps sur la terrasse, donc... Il était pas tout le temps dans la maison. Et il y avait aussi à Borgo. À Borgo, de temps en temps, il faisait... Ah, il montait dans le lit, et toi, quand tu faisais, tu pouvais pas... Et ouais, toi, tu dormais, moi, j'étais là, et j'ouvre le lit pour me mettre dedans, et je me suis reçu un... de chat. Ouais. C'est pas drôle, hein. Parce que figurez-vous que madame adore les chiens. Et un jour, elle a recueilli un chien qui s'appelait Max, c'était un dalmatien. Et alors, ce trou du cul de chien. C'était un papy.
Ouais, un papy. Mais alors attention, le papy. Déjà, quand je prenais en photo, moi, il était tout doux. Par contre, quand elle prenait en photo avec moi, avec le chien à côté, il était comme ça. Le chien était comme ça. Tu voyais vraiment le sourcil comme ça, le sourcil rosé. Oh, c'était vraiment le chien de... Et presque à me bouffer. Et un jour, elle avait... je sais plus ce que tu avais. Je crois que tu avais mal au ventre. J'étais malade. Ouais, tu étais malade, elle était sur le lit. Max s'est couché contre moi. Et je pouvais plus l'approcher. Alors, il voulait plus que Gaël m'approche. Ah, il me grognait, il me montrait les dents. Presque avec la bave, les babines retournées, tout. Non, c'était vraiment... J'ai jamais eu de chance avec ces chiens. Regarde Fabio. C'est la pire expérience, c'est Fabio. Il avait voulu me faire plaisir. Et elle avait été d'adopter un Doberman que croisait Bosseron. D'adopter? Oui. Pardon? Ben oui. Non. Tu avais décidé d'adopter dans mon dos. Non, parce que si. Tu étais d'accord. Tu m'as toujours mis au pied du mur. Attends. Donc, on prend Fabio. Moi, j'ai jamais eu peur des chiens. Donc, Fabio, avec moi, c'était un amour de chien. Il était obéissant, câlin, tout. Avec lui, c'était pas la même chose. Un jour, c'était un soir et on entendait des bruits bizarres en bas. Alors que d'habitude, Fabio était très calme. Il descend en bas, il s'est fait attaquer par le chien. Ouais. Le chien lui a couru après pour attaquer dans l'escalier. Il est monté comme un fou, il a fermé la porte au nez du chien. Il m'a dit, le chien m'attaque, le chien m'attaque, le chien m'attaque. À l'époque, il y avait 4 étages. Il y avait les 2 étages qu'on avait. Et il y avait les propriétaires au-dessus. Et les propriétaires. Donc moi, je descends, parce que pour moi, c'est clair, le chien ne m'attaquerait pas. Bien sûr, il ne m'a pas attaqué. Ben oui, tu as parti. Je suis dans l'escalier, je l'ai appelé. Bon, je l'avais pour descendre, pour le sortir, pour l'éteindre. Je l'appelle et il restait figé dans l'escalier, à surveiller les escaliers, voir s'il voyait Gaël descendre. Je l'appelle, à force de l'appeler, Je me rappelle quand même qu'il me fonçait dessus avec la bave. Oui. À force de l'appeler, il est redescendu. Non, mais c'est important. Donc, je l'ai sorti pendant 20 minutes, demi-heure, tout ça. Le chien, il était détendu, il s'était calmé. Je l'avais remis dans le salon. Non. Si, je l'avais remis dans le salon. Non, je l'avais remis avec nous, dans la chambre. Et tu m'as dit, putain, je dors avec lui parce que je te jure, j'ai jamais vu comme ça. C'était tes mots. Et même toi, tu m'as dit, j'ai vraiment peur de ce chien. Comme il a réagi avec toi, j'ai vraiment peur de ce chien. Bah, j'avais peur pour toi. Ah bah oui, tu as pas pour moi. Donc du coup, le lendemain, j'ai appelé la directrice de l'association pour leur expliquer ce qui s'est passé. Putain, Fabio. Et ils ont récupéré Fabio. Mais alors, ce qui était marrant, c'est que avec ce chien-là, je suis allé le chercher quand même. J'ai fait quand même 8 heures de train. Pour aller le chercher. 4 heures aller, 4 heures retour. Oui, parce qu'on habitait au Bagne et il était dans un refuge de la Sarthe. Ouais, c'est ça. La Sarthe, oui. C'est ça. Alors, ceci dit, tout le retour donc avec le chien, une corde, enfin une laisse qui... La laisse a été normale. Oui, mais il pouvait se détacher comme il voulait, c'était un truc coulissant, mais... Enfin bon, c'était vraiment de la merde, quoi. Et par contre, ce qu'il y avait de bien, c'est quand je suis allé le chercher, je suis retourné dans le train et j'avais la place pour moi tout seul, un wagon entier. Enfin, pas un wagon, c'était une demi-voiture. Demi-voiture pour moi tout seul, avec le chien. Et le contrôleur, il s'est approché, il a vu le chien, il est reparti. C'est pour dire. Hein. Bon, il était imposant hein, comme chien, il était très c'était grand. C'était quoi? C'était un Doberman croisé. Un Doberman croisé Bosseron ou Labrador, je sais plus. Ah, Bosseron. Je sais plus à quoi il était croisé. Non, c'était un Bosseron Labrador croisé avec un Doberman. Je sais même plus. Enfin, c'était déjà un croisé à la base, donc en fait, le chien était complètement barge. Il était pas barge. Il starbe. Oui, il était gentil, à part le jour où il t'a attaqué. Ce chien, pour vous dire un truc, il y avait sa tante et son oncle qui sont venus manger. Oui, alors quand on se venait du monde... On était obligé de l'attacher quand on partait. Quand on partait, on était obligé de l'attacher, c'était obligatoire. Sinon, il faisait les poubelles, il y avait les trucs, les machins. C'est vrai qu'il faisait des bêtises. Et là, ce jour-là, on a décidé de partir au marché, je suppose. Où on était allé boire un verre, on avait croisé les volets de la fenêtre, le chien a sauté par la fenêtre. Voilà. Heureusement, le collier, c'était un collier très fin, donc le collier a vite cédé. Oui. Mais donc. Quand on est revenu, mais c'est pas Fabio, c'est vrai. Ouais, on revient à ma tante et je vois un chien au loin qui ressemblait vraiment à Fabio. T'es en train de me péter l'épaule en fait. Pardon. Oh. Et d'un coup, Fabio, je siffle et je vois le chien qui me regarde.
Mais bah, première chose, mais comment il a fait pour sortir? C'était surtout qu'on regarde en haut, il y avait la laisse. Voilà, et en arrivant, il y avait la... je vois la laisse qui pend, le collier qui, bien sûr qui avait craqué. Et le Fabio qui arrive devant moi tout content. Et il avait même pas cassé le collier, hein. Il avait juste scellé, c'est tout. Si, le collier s'était cassé. La hanse a été cassée. Oui, la hanse a été cassée. Mais c'était un petit collier fin qu'il avait. Heureusement, parce que si c'était un harnais, on l'aurait pas trouvé pendu. Non, si c'était le harnais, il aurait été comme ça. Comme un con. Ah non, mais c'était quelque... Mais il était gentil. Hein. Oui, très. Très gentil. Non, le seul chien qui me manque vraiment... C'est Youpi. Arrête de pas Youpi. Bah c'est lui, non? Non, pas Youpi. Mais c'est lui. Non, pas Youpi. Non, le seul chien qui me manque vraiment, c'est... Balto. J'aurais dit Youpi, moi. Papa Youpi. Youpi, c'est non. Non, papa Youpi. Vraiment. Youpi, c'était son coup de cœur. Non, 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 on ne parle pas Youpi. Bref, passons. Youpi n'existe pas. N'existe plus. N'existe plus pour vous. Bon, c'est dur pour lui parler de Youpi. Voilà, Youpi, c'était... Bon, voilà, je vais vous expliquer maintenant, parce que... Hein, Youpi, c'était un vieux papy, mais alors... papy. Un chien... coton-tulaire, non c'était, c'était non, c'est un bichon. Un bichon croisé caniche. On récupérait beaucoup les vieux chiens en fin de vie, à une période pour offrir un foyer, un panier retraite. Et là, ce chien-là se faisait taper à coups de canne par une mamie en maison de retraite. Donc, ils ont décidé de nous le céder. Donc, on est allé le chercher. Donc, c'était à Gemenos à l'époque. Et on est allé à Aubagne. Alors, on est allé avec Youpi à Aubagne. Donc, on est rentré chez nous. Et ce petit chien, il était rigolo, il manquait toutes ses dents, il avait plus que deux dents. Ah oui, il manquait les dents, il boitait, donc du coup il avait une démarche un peu chaloupée, mais mais quand il réclamait la pâtée, il se mettait toujours sur ses deux pattes arrière. Ah oui, il s'appuyait sur moi, je il avait de l'arthrose. Il s'appuyait sur ma jambe pendant que je préparais, parce qu'on lui on ne donnait que de la pâtée, étant donné qu'il avait quasiment plus de dents. Mais alors, il était attachant, comme petit chien. Et un jour, Laetitia part. J'étais partie travailler, je crois. Ouais, tu étais chez Marie-Laure. Mmh. Bref, elle part travailler. Et je donne à manger à Youpi et à Cindy. Cindy, c'était ma cotonne de Tulaire. Voilà, et donc ce petit chien arrive... péniblement dans le salon, et puis il s'effondre et il commence à trembler. Donc il était par terre, il tremblait, il avait la tête complètement retournée, enfin sur le côté, avec la langue qui pendait, les yeux un peu brillants. Et j'ai appelé Laetitia pour dire que Youpi était pas bien, qu'il fallait l'amener au vétérinaire. Et comme j'ai vu que ce chien n'était vraiment pas bien du tout, qu'il n'y avait plus rien à faire, j'ai vu qu'il répondait plus. Il tremblait, il avait la tête qui penchait, et ça m'avait fait pareil sur un autre chien que je connaissais. Et il est mort quelques heures après. Donc j'ai voulu malheureusement mettre fin à ses souffrances, et je l'ai fait moi-même. Ce chien-là, je le regrette terriblement, parce que c'est la première fois que je mets fin à une vie. Oui, mais de toute façon, quand tu en avais un monsieur vétérinaire, après, quand on avait ce qui s'est passé, le vétérinaire... Il t'a dit, de toute façon, il n'aurait pas survécu si c'était une question de minutes ou d'heures. Dans tous les cas, il serait mort. Oui, c'est sûr. Ce jour-là, il serait mort dans tous les cas. Donc. Ouais. Moi, je dis qu'il faut garder à l'esprit quand même qu'il a vécu heureux le temps qui lui restait. C'est essentiel pour Youpi. Peut-être. Après, il y a eu Tsuka, il y en a eu plein. C'est vrai. Ah, des papis, des mamies, on en a eu. Ouais, c'est sûr. Tsuka était rigolote, c'était un dog argentin. Elle était vraiment rigolote parce que. Elle, pour faire des gâtés, elle donnait des coups de tête. Surtout à Max. Ouais, c'est vrai. On avait Max à ce moment-là. Max, il en avait une peur. Pourtant, Max, chien, il était fier, hein. Chien très fier, très courageux, le dalmatien. Hargneux, toi. Oui, hargneux. Mais avec ce cas, il brochait pas. Quand elle arrivait près de lui, oreille en arrière, il était figé. Il se figeait. Il attendait qu'elle passe. Pourtant, elle lui faisait des léchouilles et tout. Hein. Mais il en avait une peur. Ah, c'est... C'est les chiens, on peut pas savoir ce qu'ils se disent dans leur tête. Mais alors, elle était d'une gentillesse. Ouais, elle était marrante, ce chien. Bon, on avait souvent mal à la tête et des bleus, parce qu'elle tapait, elle avait le don. Quand vous étiez en train de faire vos lacets, vous étiez sur le canapé ou quoi, elle vous mettait un coup de tête.
Le plus drôle, c'était quand même Chico. On revenait de Corse et j'avais acheté une bouteille de myrte. Ouais, et puis j'avais dans le salon un bar avec plein d'alcool. Il y avait pastis, whisky, enfin bon, bref. La liqueur de myrte. Et la liqueur de myrte, donc rebouchonnée avec le bouchon en liège, exprès à l'ancienne. Donc c'est-à-dire pas vissé, mais juste le bouchon. On part, je sais pas, une heure ou deux heures à faire les courses ou un truc comme ça. On revient, le chien était sur le canapé, la main, enfin, les deux pattes comme au ça. Niveau du kiki du chien, donc c'est-à-dire vraiment pendant, donc le ventre apparent, la bouche qui était comme ça, et forcément avec à côté de lui la bouteille de myrte de 70 centilitres, vidée, complète, avec le bouchon enlevé, et aucune trace de myrte sur le canapé. En revanche, il puait l'alcool, le chien, c'était vraiment immonde. Quand on l'a appelé qui s'est dessiné du canapé, il marchait, il penchait. Je m'en rappelle de ça. Il était couillon celui-là, mais... Non. Ouais, les chiens. Journée popote. Ils ont tous leurs caractéristiques, hein, tu vois, Tommy et mon petit cochon, là. Caractéristiques. C'est un amour. Si je pouvais le prendre à coup de baffe. C'est un amour très affectueux et tout. Mais alors, si on part, qu'on le laisse libre de ses mouvements dans la maison, il fait des micro-pipis partout. Même si on est là. Même si on est là. Donc, on avait trouvé une planque magnifique. C'était en haut. Ah oui. Il ne pouvait plus faire de conneries. Eh bien, il a compris le moyen de s'en échapper. Il a mis 3 jours. Il est très intelligent comme chien. 3 jours à essayer de comprendre, etc. Mmh. Et il a compris. Et maintenant, c'est fini. Donc du coup, je l'attache très court à l'étage quand on part. C'est la seule solution pour pas qu'il me fasse pipi partout et qu'il reste dehors. Oui, parce qu'on a mis sur la terrasse, il y a une... Il arrive à passer sous le portail. Et quand on n'est pas là, ce couillon, il sort. Et après, ben, les gens, ils... On ne sait jamais, j'ai pas vu qu'on me le voit. Voilà. Non, mais on te volera pas, va, t'inquiète pas. Ah, c'est un bûchon, hein. C'est un vrai bûchon, Tommy. Hein. Je leur paye. Couillon. Et contrairement à Tommy, il y a Lilith qui, elle, est propre et calme, gentille. Enfin, Tommy est gentil aussi. Tiens, d'ailleurs, pourquoi Lilith? Parce que je suis sûr qu'on va nous poser la question. Parce qu'on avait envie de l'appeler comme ça, c'est tout. Non, mais elle est gentille, elle. Et elle aboie pas pour rien. Tommy. Une mouche passe, il va lui aboyer. Non seulement elle est aveugle, elle est sourde. Elle est pas sourde, t'inquiète qu'elle en a très bien. Ouais, attends. Moi quand je l'appelle, elle m'entend. À chaque fois que je les sors, moi c'est... Ah oui, lui quand il les sort, il les coupe. Puis elle se prend la voiture, elle se prend... Mais elle les voit pas. Hier, on était allé faire les... Non, c'était quand, hier, avant-hier. De quoi? On allait faire les courses? Ouais. Hier. Ah ouais? Oui, on allait faire les courses hier. J'ai encore envie d'aller faire les courses. J'ai pas besoin là. Oh oui, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle était en train d'attacher Tommy en haut, à l'étage, et Lilith était sortie, parce que moi j'étais en train d'attacher les enfants dans la voiture. Et cette truffe, elle est partie en bas, donc c'était déjà en bas du village, totalement en bas du village, et il a fallu la rappeler, donc avec des clapettes sur les doigts, donc comme ça, pour qu'elle entende, pour qu'elle sache d'où vient le bruit, qu'elle puisse revenir. Ah, je te jure, ce chien. Avec moi, elle se sauve pas. Hein. Mais toi, enfin, toi, tu l'as mis des bêtes. Elle part pas vadrouille avec moi. Toi, tu l'as mis des bêtes. Moi, je lui dis, Lilith descend, elle sait où elle doit aller, elle sait où elle doit descendre. Hein. Ouais. C'est drôle parce que tu me dis exactement la même chose. C'est-à-dire? Quand tu me dis descend. Mon amour, je te comprends pas au chien. Des fois... Je crois qu'il m'a déjà dit, t'aimes plus tes chiens que moi. Il me l'a déjà dit. Oui, bah attends, à un moment donné, on avait 4 chiens, gros chiens, dans un appartement. 4 papis. Oui, bon, je l'ai rendu dingue avec les chiens. Mais ça se contrôle pas. 4 papis, non, Chico, il était pas papi. Hein. Chico, il est pas papi. Oui, mais Chico, c'est une catastrophe qu'on a récupérée. T'en as qui trouve une famille. Une tempête ambulante. C'était un petit staff. Mais il était jeune, il avait 4-5 mois. Ouais. C'était un jeune. Un chien quand c'est jeune, ça fait des conneries, faisons. Bah oui. Même les chats. Même moi. Ma mère m'a raconté sa mignette, c'est un petit diable.
Bah, nous, on a mis nous. C'est un démon. Hein. Bah, elle fait autant de bêtises que Clio, mais sauf celle de ma mère, elle a presque un an. Bon, le mien a 12 ans, donc si elle est comme lui, elle se fera jamais. On va se tirer une balle à un moment donné. Non, moi, ce qui me rend dingue avec Clio, mon nom d'amour, c'est que j'ai aucune autorité sur lui. Autant sur les chiens, j'en ai. Sur le chat, j'en ai aucune. Attends, Minou d'amour, c'est comme tu m'appelles. Je t'appelle pas Minou d'amour. Si. Mais non. Des fois, tu m'appelles Minou d'amour. Non, toi, tu dis Miminou. C'est pas Miminou, pareil. Non, Mimi d'amour. Donc, Clio, des fois, alors, je refuse qu'il monte sur la table. Il monte sur la table, je fais Clio, descend. Il s'assoit, il me fixe. Donc, Clio descend, je finis par envoyer un stylo et il finit par descendre. Mais si j'envoie rien dessus, il descend pas. Par contre, Gaël se lève, et Clio descend, le chat descend. Oh, j'ai même pas besoin de me lever. Je regarde, il me regarde, c'est bon. C'est l'autorité sur le chat. Ben, au moins ça, j'en ai pas sur les enfants alors. Tu te demandes, c'est sur les chiens que tu as. Non, j'en ai pas sur les enfants. Moi aussi. Non, j'en ai pas sur les enfants. Moi aussi, elles te craignent, les filles. Et qu'à voir. Tout à l'heure, je les ai douchées. Elles descendent. Maman qui dit elle vous a douché, papa? Non. Hier, c'était quoi? C'était la couche. La couche à déjà. Il t'a changé la couche, papa? Non, même pas. Ce matin, à peine je suis rentrée dans leur chambre, Julia. Maman, papa, il a pas changé la couche. Et moi, bien sûr, chérie, t'as changé la couche. Je vous rassure, j'ai changé la couche, j'ai donné la douche. Mais non. Mais c'est parce que des fois, je sais pas le genre de gens, mais des fois, je le vois descendre avec la couche sale. Et je vais voir aussi après, alors papa, il a changé la couche? Non. Alors qu'elles font bien la différence entre le oui et le non. Hein. C'est des vipères. Elle va m'envoyer en prison un jour. Hein. Mais elle teste, enfin surtout Océane, elle a un peu de test, elle teste nos limites en ce moment. Oui, mais les limites, elle sait très bien que oui. C'est comme ça. Mais elle teste. Là, 5 ans, elle est dans la période où elle voit jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut. Bon, papa et maman, ils lâchent rien. On lâche rien. On reste intransigeant. Surtout sur la politesse, tout ça. Sur si, ça ouais. Si vous avez des jeunes enfants. On lâche pas. Ou même des ados maintenant, mais que vous êtes passé par ce stade-là, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'il faut faire. Il faut être patient. Ah, mais attends, je te jure, je suis presque prêt à appuyer sur le bouton et à dire « Super Nanny, j'ai ici !» Non, non, mais Joël, elles sont pas capricieuses. Hein? Elles sont pas capricieuses. Ah ouais, d'accord. Non, alors, ouais. Je sais pas si... je sais pas du tout si tu as le même vocabulaire que moi. Elles font pas des caprices pour des oui et des non, là, tu dis n'importe quoi. Non, attends. Julia, si tu lui donnes pas un truc de suite de ce qu'elle veut, elle te veut... Non. Jamais de la vie. Si. C'est pareil. Océane, c'est pareil. Non, Julia, si c'est là-bas ce qu'elle veut, si déjà, elle crie pas, elle boude. Elle dit rien, mais elle est comme ça. Et après, elle se fait monter là. Et puis... voilà. Et par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je dis à Océane, parce que des fois, je lui fais la blague, et elle me fait qu'est-ce qu'il y a comme dessert, je dis rien. Parce qu'elle nous pose 36 fois la question. Alors du coup, à un moment donné, je lui dis rien. Et là, elle commence à se braquer, presque à se faire monter les larmes. Non, parce que c'est le truc en ce moment. En ce moment, alors c'est... elles sortent du petit déjeuner. Ou alors, elles sont en train de prendre leur petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Bon, je sais ce qu'on mange, puisque mes menus sont faits à chaque fois pour le mois. Bon, à peine elle finit de manger, elle me demande ce qu'on mange pour midi. Voire, des fois, elle me demande vers 10h, qu'est-ce qu'on va manger le soir? Alors qu'on n'a même pas mangé le midi. Ah ouais. Et par contre, les deux me reposent la question, qu'elle soit dans la journée. C'est comme... Et quand on part en balade, quand on va faire les courses, on va en voiture, maman, on va où? On va faire les courses. Elle demande où, on lui dit on va à Leclerc. Et pendant la voiture, maman, on va où? Maman, on va où? Ah ouais, mais attends, je suis sûr et certain, et ça, je demande à belle-maman qui nous regarde actuellement, je suis sûr et certain que c'est toi, petite. Non, moi, quand tu dis dans la voiture, c'était « on arrive bientôt ». Non, mais ça, aussi... Ça voulait dire pipi. Aussi casse-pied, c'est toi, c'est tes caractères, ça. Ah non, mais quand c'est petite, à chaque fois, quand je lui disais « on arrive bientôt », tout s'y devenait fou, ça voulait dire « en faire pipi ». Moi, si j'avais posé la question une seule fois à mes parents... Est-ce qu'on arrive bientôt? Alors là, je me serais pris, mais je sais pas moi, une montagne de gifles, mais alors... Non, moi non, mais je me rappelle que ça exaspérait, par contre. C'est exaspérer tout le monde. Ouais, c'est vrai.
Non, moi je me rappelle d'ailleurs, mon meilleur ami nous regarde actuellement aussi, et donc que je salue. Je me rappelle très bien une fois l'impasse Figatelli. Oui, je te raconte. J'avais rendez-vous pour l'anniversaire, donc du coup de Guillaume, qui se reconnaîtra. Et c'était fabuleux parce que c'était le, je voulais m'échapper de chez mon père et ma belle-mère. Et donc on part en voiture. Je connaissais l'endroit, mais je connaissais pas du tout le où il fallait tourner, etc. Donc on part de la Ciotta pour arriver à la péninsule de Vannes. Et on tourne comme ça 10 ou 15 fois. Et je dis à mon père le nom de la rue. Et puis lui, ben, il s'énervait jusqu'à déformer totalement le truc. Et je me rappelle très bien ce jour-là. Quand je suis arrivé devant chez Guillaume, j'ai claqué la porte à mon père. Ouais. J'ai claqué la porte à mon père. Et j'ai dit, vas-y, dégage. J'avais... Si je me trompe pas, j'étais en 6e. D'ailleurs... T'as dû être content quand tu t'as récupéré après. Pas tellement. Pas tellement. Mais j'ai quand même passé une très très bonne journée. D'ailleurs, j'ai de très très bons souvenirs avec mon meilleur ami. Et encore, je salue Guillaume. Parce que j'ai su aujourd'hui qu'il nous suivait sur la chaîne. Voilà, je ne savais pas. Qui m'a dit félicitations pour n'oublier pas les paroles. Bah bon, on ne sait pas encore. Hein. Non, on ne sait pas encore, mais ça serait tardé. Enfin, j'espère. Parce que là, Clio, tu fais quoi? Ah, voilà le stylo, mais il a pas rangé. Non, mais il avait une position bizarre. Ah oui, non, je crois qu'il a pissé sur le canapé en fait. Non. Il pisse pas là où il se couche. Il est pas comme Tommy qui est un os des fois à pisser là où il dort. Alors par contre, j'ai une. Attends, tu viens d'entendre ou pas? À part nos filles qui jouent. Non. Je te viens dingue. J'attends des voix. Ça fait plusieurs fois que je passe devant la chambre d'Océane et de Julia et je vois une petite fille assise sur le lit d'Océane. Et moi, c'est alors, je l'ai engueulée en plus tout à l'heure alors qu'elle était en bas. Et moi, Océane a à peine parlé d'une Angela alors que dans son ancienne école, il n'y avait pas d'Angela et qu'elle n'a aucune amie qui s'appelle Angela, ni cousine, rien. Et là, ils viennent, elle n'a pas entendu, mais peut-être que ça s'entendra sur la vidéo. Il y a une voix de deux, troisième petite fille. Mais avec toi qui entends. Arrête, je deviens fou quoi. J'entends Océane, j'entends la voix strident d'Océane et la voix grave de Julia. Et c'est, une... c'est mais justement, c'est ce qui me fait. Alors là non. Mais plusieurs fois, on a vu même dans les escaliers une des petites jambes. Oui, punaise. Moi, une fois, j'étais dans notre chambre, je crois. Ouais. Ouais, ouais, et j'ai vu des jambes et j'ai dit. Océane, reste dans ta chambre. J'étais en train de m'occuper du linge ou quoi. J'arrive. Et en fait, Océane, elle était tranquille en train de jouer. Alors, il faut savoir qu'ici, dans ce village, il y avait une école il y a 200 ans. Il y a deux siècles à peu près. Et c'était une école de... Un peu moins. Ouais, bon, 150. Notre maison, c'était l'ancienne école du village. Voilà. Donc là où on vous parle, c'était la cantine sûrement. Je pense que là où il y a les chambres, c'était les classes. Ouais, oui, parce qu'il devait y avoir le poêle aussi, la cheminée où il préparait tout ça, ouais. C'est possible. T'as faut que tu réalimentes le feu, toi. C'est bon, t'inquiète. Et ouais, bah, c'est chaud quand même, hein. Ça fait bizarre de voir des petites filles sur le. Sur le... Alors j'irai consulter peut-être d'ici 2-3 jours, voir si j'ai quand un problème au cerveau. Bah, mais tu sais, quand on est petit, on a tous des amis imaginaires, hein, on a tous eu. Chérie, j'ai 32 ans. Oui, mais peut-être que tu vois au-delà. Il y a des personnes qui voient au-delà de... Bon, moi, je sais, moi, je suis fermée comme une huître, donc... Mais... Moi, vraiment, ça fait flipper. Mais et toi, t'as tendance à voir et sentir les choses. Ceci dit, plusieurs fois, on a eu des phénomènes... Des phénomènes comme ça. Phénomènes. Mais c'est surtout lui qui les ressent, moi... Ou toi, tu l'as ressenti une fois. De quoi? Oui, non, mais ça, c'est on n'en parlera pas, on en parlera pas, mais... Non, ça. Clio, non. Clio, non. Là, il a vu les steaks hachés sur le bar. Clio, non. Couche-toi. D'ailleurs, couche-toi. Nous, ce soir, ça va être
Gnocchi steak haché. Gnocchi steak haché, mais avec sauce roquefort maison. Et des gnocchi à poêler sauce roquefort. Qu'est-ce qu'il y a demain à manger? Mais t'es comme tes filles, toi. Tu penses qu'à ça? Non, c'est moi qui cuisine. Oh, il faut que je me prépare à chaque fois. Parce que madame ne cuisine jamais. Parce qu'elle ne sait pas cuisiner. En fait, c'est simple. J'aimerais que vous la... Je sais faire le ménage, comparé à toi. Demain, c'est saucisse petit salé qui je pars en feta. Saucisse petit salé. D'accord. Toi, tu es... Lentille petit salé. Quiche poire au feta. Donc demain, ça va être d'abord la quiche poire au feta et ensuite le petit salé. Non, d'abord le petit salé, après qu'il faut. Après, tu viens, je vais la sortir à l'avance. Expliquez-lui dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Que la cuisine, c'est pas compliqué. Et qu'elle peut très bien y arriver. J'aime bien, c'est compliqué, c'est juste que j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas? Je préfère le ménage à la cuisine. T'aimes pas manger? Oui, j'aime bien manger, mais j'aime pas cuisiner. Ah ouais? Comme ça? Ben oui. Non, parce que moi, des fois, j'en ai marre de cuisiner. J'adore cuisiner, mais j'aimerais qu'elle prenne un petit peu le relais. Au moins qu'elle soit avec moi dans la cuisine. Mais je suis maintenant souvent avec toi dans la cuisine. Ben oui. Ah, à ce propos, d'ailleurs, j'ai repensé totalement le site web que j'ai créé pour la petite demoiselle qui est là. Donc, il est en cours de préparation. Il sera bientôt disponible d'ici 2 jours. Oui, il est en train de faire des choses dessus. Voilà, donc il sera accessible sur tablette et smartphone aussi. Donc, voilà. Il sera optimisé. Comme ça, vous pourrez aller voir, nous suivre. Et vous pouvez aussi nous suivre sur mon compte Instagram, Laetitia, une maman corse. C'est vrai? Et oui. C'est vrai? Et oui. C'est vrai? Et oui. C'est vrai. Quoi? Couillon. Ah, couillon, maintenant. Con, couillon, bête, et ben dis bon. J'en ai beaucoup des surnoms, hein. Nounours. Mais c'est mignon, Nounours. Et un bon petit Nounours d'amour. Non, mais toi, franchement, moi, j'ai dormi sur le canapé pendant une semaine, hein. C'est qu'il aura froid. C'est pas faux. Quoique, de ce qu'il dit, la nuit, il a froid parce que je lui prendrai toute la couette. Ouais, cette fois, maintenant, je lui prends la couette. Et quand elle me frappe, eh ben, je la refrappe. Mais je te frappe pas. Si. Mais non, je te frappe pas. Si. Non. Si. Un petit peu. Je soupçonne même que cette nuit, tu m'as étouffé. Mais non, oui, c'est pas les rôles. Non, tu... Il a fait une crise de... Terreur nocturne. Une terreur nocturne en pleine c'est nuit. C'est toi qui m'as étouffé. Même pas, j'étais sur le côté moi. Ouais, j'étais pas à la fenêtre. D'un coup, il s'est débattu dans tous les sens dans le lit. Je me suis frappée, j'ai rien compris en plein milieu de la nuit. Il s'est levé comme un fou. Il s'est appuyé à la fenêtre et il n'avait plus respiré. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour enlever les terreurs nocturnes. J'ai parce que. C'est marrant parce que quand je me couche trop tard ou trop tôt, je fais ces crises-là. C'est des sortes de crises d'angoisse, mon cœur il s'emballe et j'ai l'impression, par exemple, dans mon rêve, d'avaler des frigos ou des balles de ping-pong ou même des. Une fois j'ai avalé une terre entière. Mais qui va avaler une terre entière? Qui va même avaler un frigo? Mais c'est tout fait avec, évidemment. Ah, une fois avec ces crises comme ça, en pleine nuit, il est sûrement en train de m'étrangler. Non, mais non. Ceci dit, après ça, j'ai vraiment pris rendez-vous avec un psychologue. Tu avais consulté là, tu avais vraiment eu peur cette fois-là. Qui était remonté à mon enfance avec les deux. Bon, s'en fout, ces psys. Non, tu avais pris rendez-vous avec le psy des pompiers. Ouais, ils s'en foutent, ces psys. Il devenait fou. Moi, il a arrêté, il a dit j'arrête. Hein. Le psy, il est fou. Il va m'envoyer chez les fous. Ah bah oui. Il a une femme au set de table. Après, les terreurs nocturnes, il me semble que c'est par rapport à l'enfance, etc. Enfin, bref. Si vous avez des suggestions pour arrêter ces crises nocturnes, s'il vous plaît, faites-moi les parvenir. Voilà. Je vous en supplie. Déjà pour qu'ils se sentent mieux et pour moi que j'ai un sommeil plus réparateur. Oui, mais moi je m'en fous de ça. Et cette nuit, t'as réveillé les filles. Hein. C'est moi, je me sentir mieux. Ça les a réveillées cette nuit. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai entendu Julia cette nuit. Oh bah en même temps, des fois, elle se réveille, je sais pas pourquoi, alors ah forcément. Oui, non, mais cette nuit, t'as crié. Crié? Ouais. Ah, je me souviens pas. Ah oui. Attends, même Tommy a aboyé, il croyait qu'on était en bas.
3h du matin. Ah, oh, mais lui, il aboie pour un, oui, pour un an. Oh, mais il voit une vache passer, il aboie comme un dératé. Non, il aboie plus aux vaches. Il a la peur maintenant des vaches, depuis que c'est chargé. La fois, il aboie aux vaches, comme il n'en pouvait plus. Il y avait un troupeau de vaches qui passait. Moi, quand on sort et qu'il voit des vaches dehors, il va vite dans l'autre sens, il s'en approche plus. Depuis qu'il s'est fait charger par Marguerite, maintenant il se méfie. Ouais, Marguerite peut cher, elle perd son âme. Elle s'est faite percuter. Enfin, on pense que c'est percuté. J'estime la minute de silence. C'était une vache très gentille. Elle venait réclamer les caresses. Destinée à la traite de lait. Enfin, c'est mieux. Enfin, ceci dit, sur ce, nous allons manger. Je remets les choses dans le contexte. Je vais préparer à manger pour que madame puisse manger avec les enfants. Et toi aussi, au passage. Je sais pas, parce que les gnocchis, ils sont pas bons. Hein. Moi aussi, ils sont bons, les gnocchis. Et parce que je peux pas les manger. Hein. Mais si tu peux les manger, c'est... Ben non, je peux pas les manger. Mais c'est les mêmes que l'autre fois, et tu peux les manger. Non, je ne peux pas. Ben justement, les mêmes que l'autre fois, je ne peux pas. Tu les as mangés l'autre fois. J'ai pas mangé l'autre fois. Mais si tu les as mangés l'autre fois. Ah bah non, justement, je les ai pas mangés. Je reviens. Là, c'est les gnocchis à poulet. Et alors, j'ai fait exactement la dernière fois, c'était pas des gnocchis à poulet, c'était des gnocchis à... Elles sont où? Elles sont où? Ah, mais je les ai jetées. Alors, on va lire la composition. Pomme de terre. Saint-Froid-Coque. Curcuma. Saint-Froid-Coque. Semoule, blé, il n'y a pas de fruits à coque, il si. N'y a pas d'épeautre. Le blé. Donc, tu peux manger. Et alors, tu n'es pas allergique au blé. Non, donc, d'ailleurs. D'ailleurs, elles sont très bonnes. C'est dégueulasse, ça. En fait, avec la sauce, c'est trop bon. Ouais, mais les miennes, celles que je fais moi, avec la pomme de terre. Oui, mais c'est pas ma faute. Attends, c'est toi qui m'as dit de les reprendre parce que tu voulais pas les refaire. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse la recette des gnocchis? Enfin, la vraie recette des gnocchis, du coup. Dites-lui, il sera content de vous la faire. Et les raviolis, il sait les faire aussi. Dites-lui, ça dépend. Maintenant, on prépare, parce que les choupettes, je pense qu'elles n'est pas à sa fin. Pas que, il est... Oh, 37 minutes, 38 minutes. Ceux qui nous disent que la vidéo ne dure pas assez longtemps, et bien maintenant, vous êtes contentes. Allez, on vous embrasse, à très bientôt.